Allez, fais des jolies choses, bébé, parce que là, tu es à l'écran. La petite oreille, tout ça, c'est du paquet de cordons. Hein. Ah, tout oui. Libre, qui flotte, aucun souci. Voilà, le bras. Tout détendu. Avec la main. Voilà, la petite main qui est là. Là, voilà, là. Il se promène le cordon. Hein, quand même. Et voilà l'autre. Ah oui. Et on va. Je vais essayer de vous montrer de face. Voilà, avec une main. Voilà, de face. Un hein, petit visage. Du dos, il est en plein. Énergique. J'ai quand même pas moins compris. Le bout du pied qui est passé. Pourquoi ils sont si importants les os du nez? C'est un des signes qui pourrait être de syndrome. Enfin, quand ça nous dirait d'aller chercher d'autres choses. Hein. On appelle ça un signe d'appel. Ah, bah, comme la nuque. Voilà. Allez, coucou la petite main. Oh, jolie. Il y a le cordon qui le frôle là. Oh. On va derrière. Voilà. Là, ils sont tous. On vous fait un petit plan sur le. Là, hein, pour votre film. Ouais. Ah, et oui, effectivement, là, on ne peut pas. Même celles qui ne veulent pas savoir, bah, je ne sais pas comment elles le font là. Hein. Moi, je ne vais pas chercher. Hein. Ah oui, je l'ai fait. Bon, bah, je crois qu'on a eu vraiment un festival de jolies petites plantes. Très bien entre les deux. Allez, moi maintenant, je vais vous chercher. Je suis désolée. On va faire l'éco-plaisir et on passe à l'éco-anatomie. Voilà, pour faire des choses sérieuses. Alors, le cerveau. Et la petite nuque, on va la mesurer. Bon, si on voit le corps est pas excessif. Diamètre de la terre. Oui. Une tige osseuse comme ça, c'est excellent. C'est pas pire, c'est bien. Je veux pas un petit. La cage thoracique. Là, vous avez tous les segments avec, voyez, le radius cubitus de l'avant-bras et la petite main. Ouais. Il est un peu tranquille alors. Ça c'est la jambe, c'est tibia fermée, la petite main est appuyée contre sur la jambe. Ah oui, d'accord. Voilà, on reste au rail. Super, bon, faut pas dire qu'elle est décollée, elle est très visible. Faut dire qu'il a du liquide avant-dent, mais
voilà, ben, je vais passer vite moi pour vous dire sur le cœur, parce que si Nicolas a attendu, normalement on a tout pas les sommets de Nicolas hein, en cœur, mais voilà. Il a fait son rythme aussi. Hein. Ouais. Les débits, les contractions, que les garçons ils ont le cœur qui bat plus lentement que les filles donc ça. Oui statistiquement hein. Ouais. Pas fort en avoir pris 100 voilà mais des fois il y a des garçons qui battent vite. Alors ça c'est le plan du milieu de l'abdomen hein. Une tranche et la petite main qui passe. Tranche de bébé au centre de son abdomen pour évaluer. C'est marrant en général, avec 500 grammes. Oh super, c'est ces deux petits reins. Vous voyez les deux petits ronds noirs, c'est le centre de ces deux reins. Ah ouais. C'est bien, hein. Et puis ça, c'est l'ombre qui vient de l'os de la hanche. Ah voilà, un os aussi très ossifié. Ah oui, c'est marrant. Ça fait une ombre, oui, ça, je trouve ça absorbe. La colonne tout en bas, au niveau lombo-sacré, et même sacro-coccygien, le petit pointu, hein, tout bien. La vessie. Et là, voilà, la belle pose de la vessie. Ah ouais. Et puis on va faire son fémur. L'autre os long. C'est donc très long. Et là, je pense que le logiciel aura 428 grammes. Ça fait plutôt 21 semaines. Il donne une moyenne de tout ce que. Hein, 21 semaines, 3 jours là. Donné là. Ah oui, oui. Hein, c'est la moyenne de tout ce que je lui ai rentré. Ça lui permet de faire le poids et il est gros comme 21 semaines, 3 jours. D'abord, ça, il est pas en retard du tout. Bon, il replie sa jambe et il vient mettre les pieds là, les deux pieds. Et voilà, une plante de pied, talon, orteil, 38. C'est parfait. Il fait du 38 déjà. Voilà. Bah, regardez, c'est joli ce petit papote. Avec les ventailles et les orteils. Et l'autre est juste à côté. Voilà, deux petits pieds joints. Voilà, avec les petites jambes. Donc là, vous avez les genoux, la cheville. Et toujours du cordon qui se balade. Voilà. Il a de la place. Hein. Tout le noir là, c'est l'espace vital de bébé et il a de la place. Hein. C'est super. Voilà. Donc il est en travers là maintenant, on le va le laisser. La tête là, le dos traverse comme ça et les fesses de l'autre côté. Vous voyez pour vous, avec les petites jambes qui viennent plus vers votre col. Hein. Voilà le. Qui se remplit, votre col est là, avec une longueur tout à fait. Vous avez accouché à terme, jamais eu de contraction. Si, on avait eu. Ah, bon, écoutez, là, il fait les 38-40 réglementaires, votre col, donc il n'y a pas de souci, de risque, enfin, rien ne dit qu'il y a un risque d'accouchement. Et puis tout ce placenta, bien. Tapisse tout à part moi antérieur, alors qu'il vous fait peut-être un peu
qui amortit peut-être un peu les perceptions des mouvements du bébé. Mmh. Ouais, ouais, ça fait... Entre bébé et vous, il y a cette petite douceur. Mais là, vers la tête, non, alors vous pouvez peut-être plus sentir. Je mange le sang ici. Hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est l'explication, c'est ça. Puisque une boule par là, il y a plus de place à table. Secret. C'est tout bon.